Réunis ici, les Danois, les tous, ils vous saluent. Chers parents, les choses sont simples. Vous êtes venus ici chez moi aujourd'hui, je vais vous tenir un langage de sincérité et de vérité. Je suis là en homme, non pas triste, mais content et heureux d'avoir été libéré. Chers parents de Gagnoua, parce que vous êtes mes parents, je suis content d'être là, assis là, et de pouvoir parler et dire la vérité, sans entrave, sans peur ni crainte. J'ai démissionné parce que je ne suis plus d'accord avec Alassane Ouattara. Vraiment, je voulais qu'on échange, vous et moi. Parce que je sais que on a raconté beaucoup de choses sur ma personne. Certains de vos fils étaient avec moi. Mais eux, ils ont choisi d'être dans RHDP. C'est leur droit. Donc, nous sommes venus. Toutes les questions qu'on a eu à poser, il a eu à éclairer notre lanterne. Quand je suis allé là-bas, à Gagnoua, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, on n'a qu'à faire pardon. C'est le pardon qui va apaiser les cœurs. Quand moi je suis revenu de Gagnoua, j'ai commencé à parler de pardon et de libération des prisonniers. C'est ça qui m'a créé des problèmes. Ou bien je n'ai pas fait. Je suis allé, j'en ai parlé au président Ouattara. Je suis allé publiquement à l'Assemblée nationale. J'ai tenu un discours. J'ai dit, je demande du haut de cette tribune de l'Assemblée nationale la libération de tous les fils, de toutes les filles, aujourd'hui prisonniers à la Maca. Est-ce que ce n'est pas ça qui a fâché les gens comme moi? Le président Ouattara, le 1er mai, m'a répondu en disant qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas entendu? Mais j'ai pris ces risques-là en venant de chez vous. Parce que nous nous sommes parlé. Et je vous ai promis, et j'ai tenu ma promesse. Est-ce que les prisonniers n'ont pas été libérés? Pour une partie, le chef vient de dire que les militaires sont encore en prison. Nous, on va demander la libération de tous ceux qui restent encore en prison. Qu'ils soient militaires, policiers, tout le monde, on a libéré tout le monde pour faire la réconciliation. C'est quelle parole qui finit pas? Parce que on ne peut pas me tenir par un poste. On ne peut pas me faire du chantage pour un poste. On ne m'achète pas l'argent. Il y a quelque chose qui est au-dessus de l'argent, c'est la dignité. Et je veux rester digne. Nous voulons une Côte d'Ivoire unie, réconciliée. Nous voulons présenter en 2020 à la face de la nation l'embryon de la vraie nation ivoirienne. Nous voulons quelque chose où tout le monde se sent là-dedans, non pas par la coloration ethnique ou religieuse, mais par le contenu et aussi par les propositions que nous allons faire. Nous sommes venus, nous sommes satisfaits, véritablement satisfaits du discours du président. Et nous repartons le cœur nettement plein de joie. Et je crois que nous attendons, comme il a dit, nous attendons ce retour éminent sur Gagnoua afin que la population qui est restée après nous puisse comprendre son message.